Le cavum constitue la partie moyenne du pharynx, la partie crâniale. Il est situé sous la base du crâne. Oui. Il est compris entre les coanes et le rachis cervical haut. Oui, les coanes en avant, le rachis cervical haut en arrière. Il est caché à l'observateur par le rideau vélo-palatin. Sa taille et sa forme évoluent avec l'âge. Non, forme à qui n'évolue pas avec l'âge. Tu me dis, il va s'évoluer. Manakoshi, il va évoluer avec l'âge. Le cavum, donc B, C, D, E. 2. Le cavum. Il a une forme de parallélépipède. Sa limite inférieure est constituée par un plan horizontal tangent au bord supérieur de l'épiglotte. هذه لو كان جات في بلاصه لوكافون لو كان جات لوروفارانكس تولي صحيح صحيح تولي رو بار كونتر لما شو نزلنا نقولوا سا ليميت انفيريور كونستيتي بار بلان هوريزونتال تانجون او بور انفيريور دو فوال دو بالي تفكروا عم بكري ولا هاك ليماج هادي هاي ليماج هادي شوف شفتوا لو فوال دو بالي ولا تصوروا ان بلان هوريزونتال تانجون À la au bord inférieur du voile du palais. Quelle est la limite inférieure de la bord supérieur, vous passez deux, vous êtes. Voilà, ouais, merci. Voilà, bord, voilà, bouche bord supérieur. Inférieur de ces deux. Chef, tu as ces deux, l'année, voilà. Pratiquement, je vous roule à l'inférieur. C'est pas du tout parti, les deux tiers supérieurs, pratiquement. C'est s'ouvre directement dans le laryngopharynx. Oropharynx. Sa paroi latérale est musculo-pneumatique. Sa paroi antérieure est constituée par les coanes. Et la face postérieure du voile du palais. Oui. Donc A, D, E. La paroi postéro-supérieure du cavum. Prosome, trigger, formation, lymphoïde. Elle répond au haut à la partie postérieure du corps sphénoïdal et au sinus sphénoïdal. Elle répond au haut et en avant à la fosse cérébrale antérieure. Il répond à la partie. Il répond seulement à la partie postérieure. Il répond à la partie supérieure du corps sphénoïdal ou du sinus. Inférieur. La partie postérieure. Antisphénoïdal, qui n'a pas antérieur ou postérieur. Je n'ai pas car elle est antérieure ou elle est postérieure. Et Victor Zofour, il répond à la partie postérieure. Mais en contexte, il répond seulement à la partie postérieure. Il répond à la partie postérieure. Quand? Le B, c'est A. C, il répond au haut et en avant à la fosse cérébrale antérieure. Là, 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 d'abord. Il répond à la fosse. Moyenne. Oui. D'abord, c'est la fosse cérébrale antérieure. Asma, fosse cérébrale antérieure, c'est le toit des orbites. Lui, dans les orbites, avec un toit. Il répond en arrière à l'espace rétropharyngé et à la moitié supérieure de la dent de l'axis. Oui. Il est vascularisé par des branches collatérales de l'artère carotide interne. Donc A, B, D. 4. Cochez les bonnes réponses. La paroi latérale du cavum répond à la glande parotide. La glande parotide, déjà, le mandibule, bonjour, tout va, dit le ballon. La paroi latérale du cavum répond en haut à la trompe auditive. Oui. La paroi latérale du cavum répond en dessous de l'ostium de la trompe auditive à l'espace maxillopharyngé. La paroi antérieure du cavum répond en avant aux fosses nasales. Oui. La paroi antérieure du cavum répond en avant au sinus maxillaire. Oui. Oui. Asma. Une fosse nasale. Fosse nasale. Rahi dima fulust mojouda. C'est un rapport antérieur médian. Dima fulust. Dans une jambe latérale. Fait la partie supérieure. Quand tu fais le scalé la hatinaire. Fait la partie supérieure en cavum. Les rapports antérieurs latéralement se font avec l'apex de l'orbite. Partout, latéralement avec les sinus. Les sinus maxillaires, oui, aujourd'hui. Fosse nasale, maintenant, les sinus maxillaires de part et d'autre. Donc, on a le genre de scanner avec. Ça, on a le genre de scanner. Chauffe au scanner avec. L'année, il y a juste. L'année, elle fait partie. Elle est partie supérieure du cavum. Juste parce qu'elle est à la ceinture cycle. On chauffe l'année. Chauffe le rapport. Mais bien, l'apex de l'orbite, c'est de la graisse, c'est des muscles moteurs, etc. De l'œil. Chauffe le globe oculaire, oui. C'est vraiment la partie. Inférieur du globe oculaire, le globe oculaire est fourre, vraiment fait l'étage, l'étage supérieur, l'étage antérieur plutôt de la base du crâne.
شوفوا لي رابور اون افون عندنا الفوس نازال اون افون ام اي ميديان هذا سان رابور انتيريور ميديان الفوس نازال هاولا توا اون لاتيرالمون شويه بشويه عندنا لابيكس شفتوا لابيكس دو لوربيت لو كان ناخذوا اون كوب اوتا من هنا تلقاو لو كافون الى رابور avec خاطر شوف ما تحت لو صحيح لو توا دو سينوس ماكسيلير هو شنو با رابور لوربيت هو البلانشي دو لوربيت انا كناخذ كوب اوتا تلقاو لا كافيتي نازال في الوسط اما في بلاصه لي زوربيت باش تلقاو لي سينوس ماكسيلير فهمت ولا هذاك هو اما سي فري كو لو كافون لو سوفر كو سور لي فوس نازال اما تسيرش انو لاتيرالمون اون افون لاتيرالمون فما رابور مع لي سينوس دونك صحيح دونك بي سي دي او لو ريزو لامفاتيك اي تري ريش او نيفو دو توا دو كافون. Le réseau lymphatique est pauvre au niveau des parois latérales du caveau. Non ? Il est riche. Le réseau lymphatique se constitue en trois types de collecteurs principaux. Supérieur ou moyen ou inférieur. Quand la supérieure, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Le groupe supérieur se draine dans les ganglions rétropharyngiens et spinaux. Oui. Les voies de drainage lymphatique du caveau sont communes à celles des cavités nasales. Oui. La cavité nasale, le drainage lymphatique interne, automatiquement, il va se faire en arrière. Donc, A, C, D, E. Maintenant, c'est le réseau, le groupe supérieur, Kinali. Tawa, 6, A. Le groupe lymphatique moyen du cavum se draine dans les ganglions jugulaires internes. Oui. Le moyen ou l'inférieur. Le groupe inférieur du cavum se draine dans les ganglions de la chaîne cervicale transverse. Non. Le caractère croisé des voies lymphatiques explique la fréquence des adénopathies latérales. Oui. La topographie profonde du cavum rend le diagnostic les parois latérales du cavum. Et donc ma mère, j'ai fait. Et maintenant, ils ont comme si c'était mais je suis star le dans la farad belle. Ah, c'est ma chauffe, tout le cavum. Tu viens, tu vois le cours, il est plus loin que quand j'essaye. C'est un bon cours. Il est quel défaut? Le drainage lymphatique. Je t'arrive à nous les adénopathies. Parfois, il y a quelle partie supérieure. Parfois, les adénopathies rétropharyngiennes, elle est inaccessible à l'examen. Fir combien on fait scanner. Fir adénopathie rétropharyngienne. Ils m'ont dit un topographie interne, le drainage lymphatique interne, il fasse sur, les métastases, il fasse sur l'extension loco-régionale. Donc, c'est hal eux. Les parois latérales du cavum entretiennent des rapports étroits avec les espaces parapharyngés rétrostyliens et pristyliens. Oui. C'était les rapports supérieurs du cavum. Hein? Oui. Régionalement, en haut et en avant. Anna. La loge cérébrale moyenne. Qu'on appelle la loge cérébrale moyenne. On a un autre sahi. Femme à la sinus caverneux, bonjour. Femme à la sinus sphénoïdale. Mais donc, la loge cérébrale moyenne à travers le sinus sphénoïdale. Qui vont couler l'os cérébrale moyenne, on dit, quand tu fais ce temporal, quand l'os cérébrale moyenne, on a la fille à Felust, la loge hypophysaire, entourée maintenant dans le sinus caverneux, on va nous faire la loge, la fosse temporale. On dit, juste pour simplifier. En haut et en arrière, je ne sais pas en haut et en arrière, la partie postérieure du corps du sphénoïde, le processus basilaire de l'os occipital et la fosse cérébrale postérieure. On a le cavum n'est pas en rapport avec la fosse cérébrale ou la loge cérébrale antérieure. Et donc, on voit qu'il y a une facture que le couple sagittal l'a amené, elle coule tout à l'heure. On ferme chez même ça. Et là, je trouve que les implications cliniques. Il y a une partie qui me plaît, c'est la chose. Je sais pas, mais les tarifs de l'anatomie, je trouve les signes. Citer deux signes cliniques en rapport avec l'extension antérieure du cancer du cavum. Obstruction nasale. Généralement, l'obstruction nasale est plus simple. Unilatérale. Je dis qu'à toi, les handes. On est plutôt, disons, en faveur d'un pronostic plus ou moins défavorable. Mais, je te vois. Ça, l'épistaxie, c'est là, on a qui est d'asrive. Là, j'ai mieux compris de ça. On n'est pas vraiment en faveur de l'extension. Là, je me trouve l'épistaxie sous extension latérale. Non, je n'ai pas en faveur. Ça, c'est obstruction nasale. Et là, je vois le scanner, le tarfou. Tarfou. Donc, quand je t'en ai joué, là, ici. Ça, le tumeur. في البلاصة هذه الكل صوروا تيمور في البلاصة هذه الكل تعطي اوبستركسيون نازال على صاحبهم قال اوفتالموفليجي وتضرب لابيكس اسمه سندروم دو لابيكس اوربيتير
تعطي اوفتال اوبليجي وتنجم تعطي حتى اكزوفتال مي سي غار راهو باش نوصلوا احنا اون ديكوفر ان كونسير دو كاروم اكزوفتال مي اما سا سي باسي معناها سي ديكري دونك اوبستركسيون نازال فما الاكزوفتال مي فما الاوفتال اوبليجي اسمو لو سيندروم دو لابيكس اوربيتال syndrome de l'apex orbitaire, ça nous oriente vers l'extension vers l'apex antérieur, vers l'apex orbitaire. À expliquer la survenue de torticolis en cas d'extension postérieure du cancer du côlon. Allez. C2. Torticolis. Mastication, hein? C'est plus que masticateur. C'est deux, c'est nerf. Chauffe postérieure. Ah, mais extension postérieure. Je trouve les rapports postérieurs du cabot. C'est un, c'est deux, crosse basilaire, hein, Kaolé? Mais comment on sur la rame, comment on sur l'os? On a les muscles. On a vertébraux. Les muscles plus doux, pré-vertébraux. Et les hommes, les muscles pré-vertébraux, le muscle libre atteint 10 mètres de contraction. Donc c'est la teinte musculaire, c'est la teinte par envahissement des muscles pré-vertébraux. Mais je n'ai pas le 11, je n'ai pas le 11, le foramen jugulaire, le foramen le postérieur ou latéral déjà. Ou directement il se lâche en arrière. Il est superficiel, il est sur le trapèze ou le donc c'est pas une atteinte nerveuse, c'est une atteinte musculaire directe. Avec atteinte passant quoi, haja quoi. Torticolis. Les femmes torticolis haja ou trismus haja. 10. Expliquer la survenue d'ophtalmoplégie en cas d'extension de belle colonne. Aïe, j'ai quand même la vous devez être passé. Extension endocrânienne du cancer du caveau. C'est un sinus spinoïdal. C'est une extension antérieure, exocrânienne. Ou tu as une extension endocrânienne par atteinte du sinus caverneux. Surtout, le caveau, je vais être là maintenant. Hein? Ben, j'ai merdé de l'ophtalmo plaisir. Deux signes cliniques en rapport avec l'extension endocrânienne du cancer du caveau. Ophtalmo plaisir. Ouais. Maintenant, on chauffe. L'extension endocrânienne. Et je n'ai pas dit, mais. Et l'article fait aller là, je suis très d'abord. On a les rapports. Avec la base, les rapports endocraniens. Je la l'os cérébrale moyenne, l'os cérébrale postérieur. L'os cérébrale moyenne, je fais un sinus caverneux. Parti dans l'ophtalmoplégie. Ou l'os cérébrale postérieur, je fais un. L'apex, c'est le rocher. Et dès que le statine, ça a été atteint. L'ophtalmoplégie par l'atteinte du sinus caverneux. Syndrome de l'apex du rocher, atteinte du 5 et du 6. L'atteinte du 6 qui fait se couper à la clinique, c'est un patient qui n'arrive pas à regarder en dehors. C'est un petit strabisme. Un tab d'aïn ou d'echel plutôt. C'est la possibilité de ramener le regard en dehors. 5 qui fait se couper. C'est les algies faciales. Algie, douleur. C'est douleur faciale. Douleur de l'hémiface. Douleur d'une hémiface. Donc un patient a des algies d'une hémiface, tout ça, tu as atteint du 6. L'aïn va te croire, l'aïn va te croire. Je trouve que c'est une symptomatologie trompeuse. Pour le chalet, Kavom. Citez les rapports latéraux du Kavom. Parfois, on a deux étages. En haut et en bas, en haut, on a la trompe auditive. Et en bas, les espaces maxillopharyngés. Ils ferment l'artère carotide interne, bien sûr. Où le rapport, en haut, explique en bas de la symptomatologie du chauffeur. L'extension latérale. Elle est 13. Citez ainsi un signe clinique. En rapport avec l'extension latérale du cancer du Kavom. Comment l'otite? Bon, on a pas un. Donc je trouve l'otite, toi, elle, surdité, je n'en ai pas. Très bien. Maintenant, c'est une hypoacousie. Tout le direct, attention. Une hypoacousie atteinte de l'oreille. Autant qu'on a de l'oreille. Atteinte de l'oreille moyenne. Bon, atteinte de l'oreille moyenne qui explique Zouz.